Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon la zone géographique où vous vous trouvez. Voilà, TV du peuple RD Congo. Nous allons partager certains titres, pas beaucoup, nous serons brefs, de l'actualité. Alors, ce qui nous a attiré plus, c'est premièrement... Les conseillers du président de la République qui ont été hués en Bujimaï quand il quittait Bujimaï pour Kananga. Il devait précéder à Kananga. Il se trouvait dans un bus Transco. Vous allez voir la vidéo que nous allons vous présenter. Nous l'avions toujours dit que les conseillers du président... Ils sont très mauvais et on doit les changer. Alors on les a traités de voleurs. Bivi, Antilouba, vous allez entendre vous-même. Alors nous allons présenter aussi une petite narration du décès du musicien Defao, le général Defao. Nous allons aussi vous présenter un titre, le décès de Monseigneur Tshibangu Tshishiku, l'ancien recteur magnifique de l'Université nationale du Zaïre, ensuite l'Université de Kinshasa. Voilà. Il y a également le président Tshisekedi qui l'a dit à Kabinda, que les détourneurs du projet Chile Genoux seront punis, que leur place c'est à la prison. Il le disait en Tshiluba. Voilà, nous allons terminer par ce qui se passe à l'Est. Il y a deux rumeurs selon lesquelles la MONUSCO aurait fait entrer des policiers rwandais déguisés en tenue de l'ONU. Voilà, et pour cela, les Gomatraciens, c'est-à-dire les habitants de Goma, ils ont décrété une journée ville morte. Voilà, nous allons passer aux images. Une petite vidéo des conseillers du président Tshisekedi qui le précède déjà en bus. Donc, ils partent déjà de... du Kasaï oriental vers Kananga, donc c'est-à-dire de Mbujimaï vers Kananga. Ils sont hués en Tshiluba par une partie de la population. Ils crient aux voleurs. Banabetu Tangilaï Fenu, Ani Tangilaï Bienu, Mushindukai. Anumutu wa tuambila kuji president ni ba conseiller bebabu. Baji bakufe ngulu jan jila mwimpa ni vision webu jinente mwimpa. Tangila mujibu baba fenda kuji population ni mbivi. Vraiment c'est honteux et c'est la vérité. Nous nous souvenons que quand la population criait aux voleurs sur Vital Kamerhe, quelques temps après, bon, la justice a fait son travail. Hein. Eh bien, nous espérons que le président Félix Tshisekedi Tshilombo va se débarrasser de ses mauvais conseillers et qu'il devrait faire auditer aussi la présidence. Voilà. Bon, regardez la vidéo. S'il vous plaît, chers compatriotes. Come on.
Voici quelques titres informatifs d'après Radio Okapi. Voilà, Félix Tshisekedi promet la prison à ceux qui ont détourné dans le projet Tshilegelu. Il a dit, c'était à Cabinda. Donc, comme quoi, Félix Tshisekedi se met à vociférer positivement. On l'attendait là-dessus parce que nous pensons qu'il est le magistrat suprême. Bon, parce qu'on considère que il est faible, il est gentil, il est tolérant. Bon, l'état de droit, bon, c'est bien, mais nous considérons, nous, peuple congolais, que bon, il faut y mettre un peu d'autorité, hein, être un peu sévère, pas dictateur, mais bon, utiliser certaines méthodes disciplinaires, voilà, il a bien parlé, hein. Donc ceux qui ont détourné dans le projet Tshilegelu, il leur promet la prison, voilà. Eh bien, il y a aussi, toujours selon Radio Capi, comme vous voyez, Madame, comment on l'appelle encore, Bintou Keïta, elle est là sur la photo. Ils promettent de renforcer la présence à l'Est, mais bon, nos populations, on n'en veut pas, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir fait entrer des policiers rwandais sur le territoire congolais, dans les tenues de la MONUSCO. Hein. C'est la raison pour laquelle il y a eu journée à ville morte à Goma. Vous voyez bien ça. Donc, il y a quand même le couvre-feu qui est maintenu jusqu'à 22h à Goma. Suite peut-être aussi à cette situation-là. Donc, les Gomatraciens, comme on les appelle, c'est le peuple congolais. Nous sommes solidaires avec eux pour qu'ils s'insurgent contre cette MONUSCO dont nous ne voulons pas la présence. Ils doivent partir. Hein. Sans nous consulter, ils ont décidé, donc via le Conseil de sécurité, de prolonger encore leur mandat pour 12 mois. Mais nous n'en voulons pas de cette ONU. Voilà. Il y a les soupçons, mais bon, il faut qu'on contrôle cette situation-là. On les a vus. Donc, un camion ou des camions qui traversaient la frontière en venant du Rwanda, soi-disant, des camions de l'ONU, mais il y avait à l'intérieur des faciès que l'on reconnaît être des faciès banyarwanda. Ils étaient en tenue de l'ONU. On pense que c'est les fameux policiers qui veulent venir sur le territoire congolais, déguisés. Voilà, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Bon, et notre titre, toujours d'après Radio Okapi, c'est le décès de Mgr Tshibangu Tshishiku, l'ancien recteur magnifique de l'université de Kinshasa. Que son âme repose en paix. Voilà, chers compatriotes, pour l'instant. Il y a des fois où il y a des gens qui ont
Oh non, à l'aller. Bah, c'est vrai, ça, la moukou.
Merci vraiment. Shalom. Bonsoir. Bonsoir Shadrack, bonsoir Nabani Obata Labiso. Vraiment, on est vraiment habité. Mon goût des Ozanga pour le général de Fawazaki, star Moko Oyo, avec Solana, tout très bien. Message na WhatsApp, Facebook, à Tinela, tout même Mabilamba, Bambongo, donc journaliste, mi balé, mi sa, tu vois, c'est bien que tu liens mon général de Fawazaki. En attendant une nouvelle, Wana, Nazaki déjà Nandako. Je me suis dit pourquoi pas toi au Lucana nouvelle on vraiment la souxe et on met tout ça na bino ni surtout Shadrack na magi Lukamba et puis tout lui tira Congo pour y avoir des informations moi na souxe donc ben tout ça awa et ça li biso passivement vers son âme donc voilà vient na biso vraiment tout les là ça fait très mal. Merci beaucoup Mike Lukamba, bonsoir. Bonsoir pour la réalisation Togo Zalaboué vers la Congo pour na Azana Prince ya Zalaboué. Et bonsoir Shadra Kangai. En tout cas, Minga Olobale, le Zab. Triste nouvelle. Le grand Baoba, l'icône de la musique africaine, le général de Fao, qui a attiré sa révérence. Nouvelle Wana, tu as bien vraiment la magie. Oui, oui, tu as bien vraiment la passipé Mawa. Tala Lelo. Pour le moment, on va retenir que tu es à Kinshasa. Il est 23h45. Tu es bimi na bandaku pour te payer sa information. Tu es même dans les réseaux sociaux, tout le monde a des informations. Les choses à la bienté. Tantôt à Koufi, tantôt à Koufi. Et il y a un peu de temps à Kakongo, le leur préciser l'information. En tout cas, pour nous, on a un peu de participer à Mawa. Toujours une grande icône au niveau de l'Ibanda, toujours une papa Wemba entre autres.
na niveau ya Côte d'Ivoire et aujourd'hui Tobung ici des FAO. Oui, papa le tout na Belgique donc voilà bon. Franco aussi, ils arrivaient Libanda. Voilà, ils allaient toujours Libanda à l'époque avec Franco. Emenea. Oui, Emenea aussi, Libanda. Bon, Liwa, ils allaient en place cité. Liwa pour en place cité. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup, Chaka Kongo, artiste à danger. Aujourd'hui, te perdre l'artiste, un grand titan de la République démocratique du Congo, le général Def Defao Akoufi. Na Kati ya Cameroun. Déjà cet après-midi, s'il faut le signaler, tout ça qui ba nouvelle Kazaki n'est pas critique. Yoza artiste à danger. Les lots de FAO Akoufi na Kati ya Cameroun. Na ébité. Rapidement, quelles sont tes impressions par rapport à la disparition na e? Bon, d'abord, merci vraiment la souci vous en ngopa na ngai, vraiment que nous la que ça sens et à responsabilité. Alors mon que biso te vite à côté ba fake news. Sans panda. Alors surtout bi de Cambonde yango wana. OK. Vraiment que même ngai parce que sont le médicamente angona on a eu contact na ya na Montana ya Simon yende bazaki na ye yende bazaki na ye vraiment ceux qui tous ont information zana nous te parce que bizu ayi kunate hein faut ba en direct kuna comme vous vous voyez on a tout la chance vraiment après ça biso. Ça s'est passé comment? Parce que tu peux savoir ce que voilà, il y a Simon Nenani. Il va défendre la Mogo. Il va défendre. Les artistes, il y a des membres. Il y a Montana. Voilà. Il y a Simon. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Simon. Bonsoir. Il y a des informations. Il y a qui est-ce qui bona lelo ba de fa oui ya kindenge ni ya kindenge ni ya lelo na tse ni kolo de nyo to zalai to zala biso bien lo bika na putu ya la la ko zwa ko ngolo balo ba ah bonsi a tota ngaka ko ba bonsi ah bonsi ko tota ngaka ko ba bonsi na na ko bra ina la ko to bet na tsa ta de jeri ka mo ngolo oh no alali ba se ba sha la mutu ah lelo na tsongo. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des réception. Il y a un hôpital. Ma bandit traitement, tout son bakis, deuxième traitement, tout son bakis. Batisco, ma monica vient de la côte, c'est la salle à réanimation. Tout à côté de la salle à réanimation, ma vingtaine de chico, ben fuba, donc ma médecin va bimi, baso, lukanga. Là, traitant la robe, ma polaga, luka, n'a changé terme. Dans la zongi, ben si ma bengue à la cat, la roue expliquée là. Mais les aguines n'ont expliqué, ben on le camou. Au départ, on a ayaki awa santé des ayaki bien tout ça, expliqué. Après, on a eu un akoufi. La xinga corps. Les amokan, 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 les jour ya ya rapena na mboka oyo a vrai dire ça que no ya mena robo na dala ka pese de 4 heures ba joine na robo ba ina na hotel alala de 4 heures du matin ti 20 heures la police ba robo ka porte zo papa jour al bosha ya ka na la puta na ite alala de 4 heures ti 20 heures. Quand on est dans le monde, on a un peu de temps, 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 on a un pe
Emile Kota boye tant ba monika ba panique la police tout ça c'est là qui m'a au banga au vieux akufuna ka hotel bien kufu voilà le premier jour ya qui va au banga tant que la police ya kufu pour pas tête là à jour respirer ba la moussier vraiment on peut Emile quand il a mon Emile Kota Emile yo yo ça ni awa na Kenya je m'en vais faire là il était déjà en voyage Nazoka. Allô. Nazoka. Eh. Nous sommes à Kenya. Et mais là j'étais où? Ils sont Kenya. J'étais où? Ils sont. Voilà. Après si comme Montana a Benguina a Abidjan mais viens ça Kuna. Des points. Tu sors Benga numéro 1. Est-ce que ils sont au courant? Nazoka. Évitez ceux qui. Adiao. Maintenant, la bengue mille, mais la tête, tu as une affaire de la première équipe, beaucoup de portes, tu as place, tu as 12 ans à qui on m'a dit. Dans la monnaie, tu as récolté. Si moi, je suis arrivé à Mboko, je suis arrivé à Mboko, je suis arrivé à Mboko, je suis arrivé à expliquer la production et au sein de Mboko. Il faut inviter à l'éviter, il y a un point à profiter. Tu as solo, on a une alia. Au sein de la bouillon, on a l'air pas. Je ne sais pas si tu as un hôtel. Vous comprenez, santé n'est bien fait. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Simon, pour l'éclaircissement. Allô? Oui, Djoga. Je vais médecin traité. Médecin a pêché, a perfusé. Il faut la pêcher la perfusion trois fois. Moi, c'est mon troisième fois à y sauter. Je vais voyager dans la province Sika, où il y a invité qui est dans le producteur. Azaka, vous avez bien mis balé, gaga. La mission n'est pas à Zakuna.
Merci beaucoup, Pas Simon, pour l'éclaircissement au Pessibiso. Alors, artiste à danger chaque à Congo. Quand il y a une explication, on est surtout à Pessibiso. Ça te revient à dire quoi? Comment on a un artiste à Nabiso, Yamboka? Moi, ignorance, topé, biloko à modèle, ou est-ce que je suis là? Parce que, ou est-ce que je suis là? Des fois, tout bien, ils allaient moins fort, mais ignorance. Parce qu'ils se sentaient déjà très mal. Il y a mon cas, j'ai expliqué avant même production. Azala qui d'ailleurs quand j'entends bien t'es Babylon quand on a une souillure artiste à danger. Bon, ça te revient à dire quoi normalement moi le joueur Azala quand on va dans le terrain est-ce que tu es un musicien avant tout mat podium tu es là comme ça docteur ce que docteur t'as regardé avant tu es là comme ça podium t'es mais en tout cas n'engoyo qui s'en bouffe c'est une troupe à barimer t'es hein mon avantage est sans danger je crois battre les bosseux besoin vraie information rimer t'es c'est ça en tout cas. Voilà, chers compatriotes, désormais nous sommes convaincus que Lulendo Matumona, donc de son surnom le général Defao, qu'il est décédé, réellement décédé, donc ce n'est pas un fake news, et que nous savons maintenant qu'il souffrait du diabète et qu'il ne se sentait pas bien à la performance du concert. Donc, il a été invité, il a joué son concert, mais ça ne se passait pas bien, il manquait le souffle, comme on l'a expliqué. Et voilà, quand il est reparti à son hôtel, le Seigneur l'a rappelé, définitivement. Voilà, il est décédé, il a rendu son dernier souffle. Que son âme repose en paix, chers compatriotes. Voilà, nous souvenons tous du général Defao. C'était un musicien, un bon vivant. Il transmettait sa joie de vivre. Voilà, chers compatriotes. Que son âme repose en paix. N'oublions pas que c'est une icône de la rumba congolaise qui est reconnue maintenant à... Comment est-ce qu'on appelle? À l'UNESCO, oui. Voilà, comme patrimoine de l'humanité. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là. Et nous vous promettons de nous retrouver à la prochaine émission. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.